C'était rien de bien génial. Voilà. Je vais lire vos commentaires, bah, tout simplement. Ah oui, je vous ai dit que je vous ferai. Juste attendez, je cherche mon autre téléphone parce qu'il y avait plein de questions hier que vous m'avez posées sur ma photo, du coup. Je vais reprendre ma photo et je vais vous répondre à quelques questions. Je vous avoue que je vais rester 5 minutes avec vous parce que j'ai plein de choses à faire, mais je reviens, pardon, très très vite. Et allez-y, pour la prochaine fois, je viens de poster une nouvelle photo et poser vos questions en dessous de cette photo, du coup. Voilà. Comment ça se fait que ça va plus les commentaires? Ah! Voilà. Donc, commentez la photo, commentez la photo et posez vos questions sur cette photo. En attendant, je reprends mon autre photo, du coup, avec toutes les autres questions que vous m'aviez posées. Est-ce que... Attendez, hein, je prends les questions intelligentes. Donc du coup, tu vas nous dire tous tes projets. Vas-tu partir à New York? Bisous. Alors, je vais vous dire tous mes projets, ça c'est sûr. Après, si je vais partir à New York, ça c'est une surprise. Et vous serez en fait tout en même temps. C'est très simple, vous serez tout en même temps. Et voilà, mais pour le moment, je ne peux pas encore vous en dire trop parce que, justement, heureusement que je vous en ai pas parlé plus tôt parce que j'ai un problème. J'ai un problème pour partir, du coup. Voilà. T'es trop belle. Qui sont tes 10 meilleures rencontres de la télé? Ouf! Mais 10 meilleures, je pense pas qu'il y en ait 10. Chrislaine is in the place to be aussi. Donc, moi, je pense pas que j'en ai 10. Hein. J'ai Mélanie Dacroux, Sarah Frézou, Jaja, Eddy, Vincent, 5. Amélie, 6. Et c'est tout, hein. On est d'accord, hein. Et John, bien sûr, John, mais bon, John, ça se compte même plus. C'est mon frérot, John. C'est pas un candidat pour moi. Donc voilà. Regardes-tu les vacances des anges? Alors, pour être très honnête avec vous, non, je regardais pas les vacances des anges, mais je vous avoue que depuis que Raph est arrivé, je regarde. Je regarde parce que ça me fait du mal et vous savez bien, nous les filles, on adore. Hein. On adore le fait que ça nous fasse du mal, c'est vrai, non? On adore se faire du mal gratuitement, donc du coup, bah ouais, je regarde. À partir de maintenant, donc du coup, je regarde maintenant parce qu'il est là. Là, j'attends que... Ok. Bon, déjà, vous allez aller liker cette putain de photo. Vous allez aller me la liker, vous allez me faire péter les likes parce que pour le coup, je la trouve mais sublime. J'ai l'impression que c'est pas moi dessus. Lol. Et non, vous êtes énormément à me poser des questions sur mes lèvres. Eh ben, voici. La personne qui est responsable de mes si jolies lèvres. Et ouais, donc je vais vous mettre son compte Instagram là maintenant. Je vais demander qu'elle se... juste pour vous, hein. Mets-toi en... Enlève le privé. Je vous le mets ici, l'Instagram, je le mets en... Je l'épingle. Épingler le commentaire, voilà. Attendez, je regarde si je l'ai bien noté. Voilà. Et du coup, voilà. C'est ça le secret pour les lèvres. Donc, si vous êtes de Belgique. Donc, je continue à vous répondre à quelques commentaires. Tu es fatigante, tu sais. Et toi, t'es pas fatigante à écrire. Franchement, c'est fatigant d'écrire déjà. Et tu m'écris que je suis fatigante.
Je te bloque. J'ai déjà vu ça quelque part. Voilà, je te bloque. Tu m'as saoulé. Les La tête de ma mère, les gens, ils saoulent. Oh, mais il n'y a personne qui leur a rien demandé, sérieux. Parles-tu avec Mélanie? Oui. Oui. Pourquoi t'es plus avec Raphaël? Est-ce que ça sert à quelque chose de remuer le couteau dans la plaie, franchement? Je déconne. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Par contre, j'aimerais que vous taguiez pas d'autres personnes de télé dans mon Instagram. C'est le mien. Si vous voulez aller parler des autres personnes, vous allez sur leur Instagram. On ne parle pas des absents. Et surtout, on ne pollue pas mon mur. Ah oui, c'est vrai que je vous avais dit les interchangeables. Le concours, exactement. Bah écoutez, il n'y a pas de gagnant. Hein. On a dit 50K. Ils sont à 46,5, les gars. Tant qu'ils sont pas à 50K, il n'y a pas de gagnant. Enfin voilà. D'ailleurs, trop bien. Allez commenter, liker cette photo-là des interchangeables, les amours. C'est moi. Même si je sais. Des fois, quand je regarde, je vais vous dire un truc vraiment. Regardez, par exemple, je vais prendre. Je vais prendre une photo de moi. Non, bah, la première, par exemple. Je prends cette photo-là. Ok. Vous voyez. Puis je me regarde. Et je me dis, putain. Mais elle est mais magnifique, quoi. La meuf. C'est moi. Attention, je sais. Et après, je me regarde dans le miroir. Et bizarrement, j'ai pas la même teuté que sur la photo. C'est moi sans être moi. Alors, si c'est pas touchant. Masquer une calvitie, c'est une Ça me saoule. Hein. C'est le repas. C'est le repas. Enfin voilà les amours. Donc ce que je vais vous dire. Ça sert à rien de parler. Ça, ils entendent pas. Il est cassé le parlophone. Donc voilà. Je vais manger moi. Donc je vais vous laisser. Donc continuez à commenter ma photo et à la liker. Surtout, je compte sur vous. Voilà. Donc je compte sur vous pour la liker, la commenter. Posez toutes vos questions sur la photo. Je vous fais plein de bisous. Et je vais faire maison parce que je pense qu'il est vraiment temps là. Regardez, je vous montre Islaine qui attend le repas avec impatience. Bon, bisous, bisous. Là, j'attends que. Ok. Bon, déjà, vous allez aller liker cette putain de photo. Vous allez aller me la liker, vous allez me faire péter les likes parce que pour le coup, je la trouve mais sublime. J'ai l'impression que c'est pas moi dessus. Lol. Et non, vous êtes énormément à me poser des questions sur mes lèvres. Eh ben, voici la personne qui est responsable de mes si jolies lèvres. Et ouais. Donc, je vais vous mettre son compte Instagram là maintenant. Je vais demander qu'elle se... juste pour vous, hein. Mets-toi en... Enlève le privé. Je vous le mets ici, l'Instagram. Je le mets en... Je l'épingle. Épingler le commentaire, voilà. Attendez, je regarde si je l'ai bien noté. Voilà. Et du coup... Voilà.
c'est ça le secret pour l'élève. Donc, si vous êtes de Belgique, de France, Paris, Marseille, Lille, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressées, voilà, ça c'est ma boca, c'est la mienne. Elle est trop belle, ma boca. Elle est trop, trop belle. D'ailleurs, franchement, je trouve que j'ai pas assez de likes dessus. Voilà, ma bouche. Non, c'est quelque chose, et c'est pas des injections. C'est pas des injections, c'est des... C'est de la haute fréquence. Voilà, ça c'est la boca de Mélanie. C'est la chaîne de montage, bien évidemment. Voilà. Écoute, si j'ai pas le droit de me moquer de toi, tu n'as pas le droit de te montrer condescendant. Et voilà, comme ça vous voyez un petit peu ça ressemble à quoi. Voilà, c'est ça en fait. Donc il n'y a rien qui pénètre en fait. Hein. Y a, enfin non, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de piqûre en fait. Voilà, c'est ça. Oh, il m'a saoulé le Brian là. Mais sérieux, mais dégage. Oh. Voilà, on masque la vidéo en direct pour toi, Brian. Oh, Brian ne suivra plus vos stories. Ok. Donc vous avez ici Liliane ou Lilian. À chaque fois, je sais pas comment on dit. Liliane ou Lilian. Demain, c'est ton anniversaire, donc je te fais déjà des bisous pour ton anniversaire. J'espère que tout se passera bien. Et je te ferai un beau petit message demain aussi. C'est bien de me le rappeler comme ça. Donc voilà. On était là. On en était là. Donc voilà, c'est super. C'est super intéressant pour les gens qui veulent pas se faire d'injection, tout simplement. On voit une réelle différence. Bah, par exemple, je vais vous montrer un avant-après. Voilà. C'est pas ma bouche. Hein. Mais ça, par exemple, c'est un avant-après. Donc voilà, bref. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller déjà la suivre et ensuite à prendre rendez-vous pour voir ce que ça donne, tout simplement. Je peux pas mentir, la vérité en face des yeux. Je suis trop drôle quand même. Donc je continue à vous répondre à quelques commentaires. Tu es fatigante, tu sais. Et toi, t'es pas fatigante à écrire. Franchement, c'est fatigant d'écrire déjà. Et tu m'écris que je suis fatigante. Je te bloque. Voilà, je te bloque. Tu m'as saoulé. La tête de ma mère, les gens, ils saoulent. Oh, mais il n'y a personne qui leur a rien demandé, sérieux. Parles-tu avec Mélanie? Oui. Oui, 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 oui. Pourquoi t'es plus avec Raphaël? Est-ce que ça sert à quelque chose de remuer le couteau dans la plaie, franchement? Je déconne. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Par contre, j'aimerais que vous taguiez pas d'autres personnes de télé dans mon Instagram. C'est le mien. Si vous voulez aller parler des autres personnes, vous allez sur leur Instagram. On ne parle pas des absents. Et surtout, on ne pollue pas mon mur. Ah oui, c'est vrai que je vous avais dit les interchangeables. Le concours, exactement. Bah écoutez, il n'y a pas de gagnant. On a dit 50K. Ils sont à 46,5, les gars. Tant qu'ils sont pas à 50K, il n'y a pas de gagnant. Enfin, voilà. D'ailleurs, trop bien. Qu'est-ce que vous
Allez commenter et liker cette photo-là des interchangeables, les amours. C'est moi. Même si je sais. Des fois, quand je regarde, je vais vous dire un truc vraiment. Regardez, par exemple, je vais prendre. Je vais prendre une photo de moi. Non, bah, la première, par exemple. Je prends cette photo-là. Ok. Vous voyez? Puis je me regarde. Et je me dis, putain. Mais elle est mais magnifique, quoi. La meuf. C'est moi. Attention, je sais. Et après, je me regarde dans le miroir. Et bizarrement, j'ai pas la même teuté que sur la photo. C'est moi sans être moi. Eh ouais. Putain. Ça me saoule. Hein. C'est le repas. Enfin voilà les amours. Donc ce que je vais vous dire. Ça sert à rien de parler. Ça, ils entendent pas. Il est cassé le parlophone. Donc voilà. Je vais manger moi. Donc je vais vous laisser. Donc continuez à commenter ma photo et à la liker. Surtout je compte sur vous. Voilà. Donc je compte sur vous pour la liker, la commenter. Posez toutes vos questions sur la photo. Je vous fais plein de bisous. Et je vais faire.